Bonsoir. Alors, on se retrouve pour un haul vêtements et chaussures Vinted. Je vous en ai parlé lors de ma précédente vidéo. On est le soir du jour où je vous ai filmé la vidéo. Donc, on est toujours jeudi. Et comme j'ai reçu tous les colis, je suis allée les chercher juste avant d'aller travailler à 17h15. Le relais ouvre à 16h et je suis vite allée parce que j'étais pressée d'avoir mes vêtements et de vous filmer la vidéo. Comme ça, je vais pouvoir tout laver, tout nettoyer. Mais enfin, j'ai reçu un colis d'une Vinted vraiment. Ça sentait la lessive, c'était repassé, c'était nickel. Bon, elle vend que des belles marques. C'est une dame, on voit qu'il y a des moyens et qu'il y a des très très jolies choses. Donc j'ai chopé vraiment de magnifiques choses et je lui ai fait un commentaire élogieux parce que j'étais vraiment très très contente. Donc comme c'était vraiment impeccablement propre, j'ai voulu me changer pour aller travailler. Et là, je vais retirer le micro pour pouvoir vous montrer un exemple de superposition, par exemple, il est tard, hein, le soir, moi je suis HS, mais je voulais vous la filmer comme ça je vais pouvoir tout ranger. Donc un exemple de superposition pour les femmes fortes, dont je vous parlais dans ma précédente vidéo. Donc je retire le micro et j'espère que vous allez bien me voir. Je vais vous montrer comment je suis habillée aujourd'hui. Alors je me recule. J'espère que vous verrez bien. Je vais essayer de reculer la table basse. Ouf. Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai? J'ai un jean que j'ai eu sur Vinted, un jean sine qua non noir. Donc voilà, vous allez voir un petit peu comment je suis faite. J'ai un bedon, hein, comme je vous l'ai dit, j'ai du ventre hein, et encore c'est rien du tout. Et donc là, j'ai mis une chemise camailleux, très très jolie, avec un plastron brodé. Donc, je vais vous montrer de plus près, que j'ai commandé donc à la Vinted qui avait ces six jolies choses. Donc une chemise camailleux, avec des petites manches boutonnées comme ceci, un joli plastron comme je les aime. Donc ça cache le ventre et les fesses, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et j'ai mis ce petit gilet de marque Mado et les autres, hein, qui est en coton, qui est d'une qualité magnifique. Mado et les autres, c'est une marque qui vaut très cher. Donc là, j'ai dû l'avoir à 5 euros, je crois. Et elle m'a fait 40% parce que j'ai pris plein de choses. Donc la superposition, ça fait ça, en fait. Ça permet un peu de casser l'effet large et ample de la chemise. Et de mettre en valeur ce petit gilet court qui ne peut pas se porter tout seul. De toute façon, celui-ci, on ne peut pas le porter seul, il faut vraiment le porter avec quelque chose en dessous et de plus long, puisque c'est un gilet court. Hein. Voilà, donc pour cette tenue. Ensuite, ça c'était un autre colis. Une autre marque très très belle, c'est La Vie. Voilà, c'est une chemise avec des petits pois. Elle est bleu marine avec des petits pois blancs. Elle se présente comme ceci. Avec une petite poche sur le côté. Et elle est un peu cintrée. Vous voyez derrière. Voilà. Elle est très très jolie. Donc ça fera super sympa ça aussi. Avec le petit revers là. Au départ, je me suis dit, mais c'est pas une veste de pyjama, ça. Et non, c'est pas une veste de pyjama. Bon. Maintenant, vous me direz, les vestes de pyjama, il y en a des très belles qu'on peut porter en chemise. Mais non, non, c'est pas une. Ah, et puis je vois qu'on peut. Ah oui, d'accord. Non, c'est pas une veste de pyjama. On peut. Voilà, il y a du tissu chambray là, qui rappelle en fait celui-ci et celui de la poche. Ah ouais, c'est très sympa. Qu'on peut attacher. Comme ceci, voilà, pour retrousser la manche. Très très jolie chemise et j'aime beaucoup les petits pois et puis les détails de chambray. Voilà, ça va être très très sympa ça aussi. Faites attention si j'ai l'air fatiguée, c'est normal. Hein. Moi je travaille 2 heures et je suis cassée en deux, c'est comme ça. Ensuite, toujours la personne à qui j'ai acheté la chemise à petits pois, j'ai trouvé cette jolie blouse.
Moi, j'aime beaucoup les blouses hein, parce que, encore une fois, ça permet vraiment de cacher le ventre et les fesses. Donc, elle a ce. Je vais remettre le micro, vous entendrez mieux peut-être, j'ai oublié. Hop, j'ai pas l'habitude. Hein. Voilà, vous devez mieux m'entendre maintenant. Donc, une jolie chemise blouse ample. Je vais pas trop me reculer, mais vous voyez comment elle se présente. En tissu vraiment très très doux, très souple. En très bon état, de marque L10, je connais pas, je l'ai prise en 44 et j'aime beaucoup ce motif. Et encore une fois, c'est dans les roses rose et prune avec du bleu, et c'est très joli. Et je pense que celle-ci irait très bien aussi avec ce gilet bleu marine en fait, puisqu'il y a du bleu, ça pourrait faire joli l'ensemble. Voilà pour cette blouse. Ensuite, chez. Ben là, c'est que chez la dame à qui j'ai acheté la chemise camailleux et le haut Mado et les autres. Elle vendait que de très très jolies choses. J'ai pris cette blouse. Hop. De marque Scottage. Je ne connais pas. En taille 4. Voilà. Une petite blouse aussi très très sympa. Très fluide. Moi, j'aime beaucoup les blouses. Très très longue, enfin très longue, où est-ce qu'elle m'arrive? Ben, parfaitement bien, elle cache le ventre, elle est noire avec plein de petits motifs. C'est assez sympa, je trouve que ça égaye tout de suite une tenue, notamment ben, avec le jean sine qua non, c'est un 44 en fait. Bon, ça aussi c'est super joli. Vous allez dire encore du noir, mais oui. Scottage, taille 4. Regardez ce haut. Il est splendide. C'est du voile devant. Du voile noir. Avec... comment c'est fait? Parce que j'ai à peine regardé, en fait. Alors, il y a des petites fausses poches ici. Une seule fausse poche. Ah oui, d'accord. Et c'est croisé, là, comme ça. Il y a un effet croisé. Il est magnifique, ce haut. J'espère que vous voyez bien, il est splendide. Ça c'est... J'adore. Donc devant du voile et de l'autre côté du coton, comme les manches, en parfait état. Ça sent trop bon la lessive. Voilà, j'aime beaucoup les hauts avec du voile de toute façon. C'est très chic et très... Je sais pas, ouais, très, très joli. Ça va avec tout et tout de suite c'est... Bon, moi j'adore le noir. Bon, vous l'aurez compris, hein. Mais je n'ai pas commandé que du noir. J'ai ensuite trouvé ce trop mignon petit pull, toujours chez la dame. Un Scottage taille 4, que j'adore. Il est rose avec des petits nœuds rose gold. Regardez, c'est choupi. J'adore. Il est trop beau. Et alors, il est super ample. Il est super ample, long. Et je ne sais pas si vous verrez sur le bas. Voilà. Il est, voilà, vous verrez bien, il a, il est évasé en fait sur le bas et avec un petit volant et un rappel sur les côtés, pareil. Donc ça, c'est génial parce qu'il est, voilà, il est bien large comme j'aime et bien long. Ça sent très très bon la lessive et les petits nœuds rose gold, écoutez, c'est trop choupinou ça, voilà. Ça aussi j'adore. Vous comprendrez que je n'ai commandé que des choses que j'adore. Ensuite, hein, j'étais étonnée parce que c'est Kiabi et je l'ai trouvé trop trop beau. C'est en taille XL, en petit col Claudine. Regardez ce petit haut, comme il est joli. Un petit col Claudine, je le trouve magnifique. Ah ben lui, alors lui il irait bien. Il irait trop bien avec ce petit gilet bleu. C'est le même bleu. Je découvre en même temps que vous, hein, parce que je suis allée travailler. J'ai juste regardé vite fait et je suis allée travailler tout de suite après. Donc derrière, il est fermé avec un petit bouton comme ça. Il est en tissu sous-pull, vous voyez, tout doux. Et les motifs, ce sont des petits parapluies et des petites... qu'est-ce que c'est? Bah, des petits parapluies ouverts et des petits parapluies fermés.
Et j'adore, pardon, j'adore l'association du bleu marine et du prune et le petit col Claudine. Je trouve ça trop trop mignon. Et je vous dis qu'avec ce petit gilet bleu, ça va très très bien. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que ça fait une belle association. Et il est bien long. Alors lui, il va bien en dessous les fesses. Donc pour faire une superposition, c'est parfait. Ça et ça ensemble. Nickel. Et j'adore le petit col Claudine. C'est trop mignon. Mais oui, c'est adorable. Ensuite, ça, on aime ou on n'aime pas. Mais je dis pourquoi pas. Je dis c'est chouette, hein. C'est le cas de le dire. Je suis très drôle. Valérie est drôle. Voilà pourquoi je dis c'est chouette. C'est un haut camailleux. Bon, ouais. Bon, je le mettrai pas pour aller travailler, je pense. Plus pour rester ici. Mais je dis pourquoi pas. Pourquoi pas. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça en fait. Parce que j'aime pas forcément. C'est pas trop mon goût. Mais bon, pourquoi pas. Le haut, il est comment? Il est noir. Ouais, ça change. Ça changera un peu de ce que je porte. Oh oui, il faut pas rester dans les habitudes. Donc c'est un haut camailleux, saumon et manche trois quarts. Et lui, pareil, il est bien bien long. Donc ça, c'est l'avantage. Et je le mettrai avec un gilet. Parce que la chouette, elle me plaît pas trop en fait. Mais enfin, il est joli quand même. Hein. Et celui-là, j'adore. Je l'adore celui-ci. Alors, c'est à Armand-Thierry, c'est ce que je vous disais dans la vidéo précédente. Armand-Thierry fait de très très jolies choses pour les femmes fortes. Et regardez comme il est choupinou, celui-là encore avec son petit col Claudine. Il a des petites perles. Bon, il est très joli celui-ci. Des petites perles partout, sur le devant. Et en bas, il fait effet chemise. Je l'adore. Je l'adore littéralement. Ah ouais, alors lui, il arrive vraiment parfaitement, parfaitement bien. Trop mignon. Et il y a aussi les petites perles sur les manches. Il est vraiment joli celui-ci. Et derrière, en revanche, il est uni. Et j'adore ce petit col Claudine. C'est trop mignon. Du coup, j'ai deux petits cols Claudine. Je suis contente. Il est adorable. Donc j'ai eu la chemise aussi que je vous ai montré, le gilet Mado et les autres, et j'ai commandé deux paires de une paire de bottines et une paire de chaussures neuves, neuves, parce que j'ai commandé une ou deux fois des chaussures quasi neuves, mais en fait le pied était déjà fait et on n'est pas bien dedans. Donc là j'ai commandé des Geox. Pourquoi des Geox? Parce que avec mon mal de dos, avec les problèmes de dos que j'ai, je me suis dit qu'il n'y a que là-dedans que je serais bien, vu que les semelles sont hyper confortables, rembourrées. Donc j'ai eu, je suis trop contente. Elles étaient neuves, hein, je les ai mises tout à l'heure, mais totalement neuves. Je les ai mises pour aller travailler, j'ai pas résisté. Elles étaient vraiment neuves, je les ai eues à 10 euros. C'est une super affaire. Donc elles sont en velours, là en aspect élastique, et sinon elles sont en velours. Ce sont des ballerines. Alors j'essaie de trouver des modèles qui soient un peu sympas chez Geox pour mon dos. Voilà, c'est vraiment pour mon dos. Avant, il y a très longtemps, je mettais des talons compensés, mais là ce n'est plus possible. Depuis mon cancer, et donc être bien chaussée, c'est hyper important. Donc il y a écrit Geox ici sur la semelle, et elles étaient neuves. Voilà, je les ai portées juste pour aller travailler 2 heures tout à l'heure. Voilà, elles sont très très jolies. Je trouve que ça fait pas trop mémé. Et avec le jean noir, là, ça faisait très sympa. Et pour cet hiver, y a Granny là. Pour cet hiver, pareil, je les avais montrées à mes filles, elles m'ont dit qu'elles étaient très sympas. Je me suis pris je les ai payées 15 euros, je ne vous en montrer qu'une. Des bottines toutes neuves aussi, non, 18 euros, je les ai eues. Des bottines Geox pour être bien. Donc elles sont fourrées à l'intérieur
Bon, c'est tout cuir, hein, Geox, évidemment. Elles sont toutes souples. Voilà, c'est pas du cuir dur. Hein, donc, je serai mieux dedans pour marcher. Il y a une jolie boucle ici. Je les trouve sympas. Je les ai essayées. Elles font pas mémé du tout. Il y a une fermeture ici. Voilà. Quand je dis mémé, c'est pas péjoratif hein, du tout. Hein. J'ai un grand respect pour les personnes âgées. Voilà. Mais bon, elles font stylé quoi. Et alors, je vais être comme dans des chaussons là-dessus et c'est ce que là-dedans et c'est ce que je recherche pour mon confort et mon dos quoi. Voilà, donc toujours marqué Geox ici. Elles étaient neuves. Hein. Pareil, je les ai portées tout à l'heure pour les essayer. Je suis trop contente. Voilà, bah dites-moi ce que vous en pensez de ces chaussures. Elles font pas. Oui, moi je les trouve, sympa. Voilà, elles font pas trop ringardes. Voilà, c'est le terme que je voulais dire. Écoutez, c'est tout pour mon haul Vinted. J'avais aussi acheté des petites chaussures toutes neuves pour mon petit-fils pour plus tard en pointure 22 que j'ai reçues, qui sont trop mignonnes et toutes neuves, pareil. Tout cuir, etc. Là, je coche carrément avec ma fille, on coche neuf. Pas très bon état comme les Geox, là je cochais 9 sur Vinted. Je vous fais ma vidéo je suis saoulée. Comment commander et trouver sur Vinted de toute façon toutes ces petites merveilles quoi. Parce que si je vous dis combien j'ai payé la belle commande chez la dame qui vendait ça, plus le reste, elle m'a fait à 14,80 tous les vêtements. Donc la chemise, le gilet Mado et les autres, le haut Armand Thierry, la chouette, le joli col Claudine qui habille, et je peux vous dire que c'est en parfait état. Hein. Le gilet, le pull avec les nœuds rose gold Scottage, le Scottage magnifique avec le voile, et la blouse Scottage aussi. Voilà, tout ça, 14,80, c'est... Ah, pourquoi s'en priver, quoi. Et puis, cette dame, apparemment, elle aime les jolies choses, elle en change souvent. Eh bien, je l'ai remerciée en lui disant que ses vêtements m'allaient très bien, me plaisaient et que ça aurait une seconde vie. Voilà, donc, je suis pro Vinted, vous le savez. Je sais que vous aimez beaucoup ces hauls, donc... Je vous garantis pas que je vais me racheter des trucs, mais... Cette Vinti là, je l'ai mise en favori, donc je vais suivre sa boutique. Et s'il y a à nouveau des choses sympas, oui, pourquoi pas, parce qu'à ce prix-là, ça permet de changer. Et quand j'en aurai assez, je les vendrai, quoi. Voilà. Bah, écoutez, je vous fais des gros bisous. Ça vous fait deux hauls vêtements d'un seul coup. Promis, la prochaine vidéo, ce sera de la beauté. Bye bye. J'avais oublié une chose, donc c'est pour ça que vous me retrouvez en manteau. J'ai commandé à la première Vinti ce manteau camailleux que je trouve très très joli. Donc je vais vous montrer. Voilà, il est long. Donc là j'ai mis les ballerines, je ne sais pas si vous les verrez. Voilà, j'ai mis les ballerines. C'est un manteau tout doudou. Qui est en moumoute à l'intérieur. Je le trouve vachement original. Donc on peut retrousser les manches ou pas. Voilà, moi je préfère faire un petit revers. Il se boutonne jusqu'en haut. Donc ça c'est sympa pour quand il va faire froid. Et il y a une capuche. Donc ça aussi j'aime beaucoup. Et avec un joli col ou une jolie écharpe, ça fait super joli je trouve. Je vous montre. Il est beige chiné et je le trouve super joli. Donc évidemment, hein, quand on est forte, quand on met un manteau, tout de suite, on voit qu'on est forte. Mais il faut bien s'habiller. Et là, j'étais super contente. En fait, il ne lui plaisait pas. Elle l'a acheté et il ne lui plaisait pas. Donc il est neuf. Je le trouve très très joli. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc on peut le porter ouvert comme ça, voilà, avec le col et la capuche derrière. Moi les manteaux de toute façon je les prends toujours avec une capuche parce que quand il fait froid on a besoin d'avoir la tête couverte. Il suffit de mettre
une grosse écharpe. Moi, j'adore mettre des grosses écharpes et tout de suite, on est bien. Et il est tout doux, il est vraiment agréable, quoi. Cette moumoute est toute douce. Voilà, donc j'avais oublié de vous montrer ça. C'est fait. Ben, je vous fais des gros bisous. Je vais le retirer parce que chez moi, quand même, il fait chaud. Bye bye!